déclare, tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Que ta parole, c'est notre Dieu, fasse la circoncision dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Règne au milieu de ton peuple, Seigneur. Que l'honneur te revienne, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Là, nous avons applaudi parce que nous sommes dans une salle. Mais ce que je demande ce matin, je veux qu'on applaudisse pour celui qui a permis qu'on soit ici ce matin. Ce matin. C'est Dieu qui t'a protégé ce matin. C'est lui qui t'a donné la force de venir ici. C'est lui qui a permis que tu prennes la place là où tu es. Si tu es en bonne santé, c'est lui. Si tu as mangé ce matin, c'est lui. Quand tu vas retourner, tu vas prendre ta voiture. C'est pas ta voiture, mais c'est pour lui. C'est lui qui permettra que tu arrives à la maison. Alors comment nous allons pouvoir applaudir pour cet homme? Alléluia! Alléluia! Et alléluia! Il est Dieu! Il est Dieu! Il est Dieu! Il est Dieu! Il t'a aimé le premier! Il est Dieu! Il est vivant! 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 Il est Dieu! Il est Dieu! Alléluia! Amen. 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 Reprenons nos places. Regarde tes quatre voisins. Si devant il n'y a personne, regarde même celui qui est loin. De loin, tu peux lui dire bon appétit. Non, regarde bien ton voisin. Il faut lui dire bon appétit. Regarde ton voisin. Il faut lui dire bon appétit. Amen. Amen. C'est pas pour rien que tu es là ce matin. Dieu a de bonnes choses. Oui, de bonnes affaires pour toi. Je sais que celui qui était venu ici, troublé, en colère, tu vas sortir d'ici. Et toi-même, tu commences à rire à la porte. Parce que je suis convaincu qu'il va faire. Amen. Le matin, on avait commencé avec une parenthèse. Je vais ouvrir la même parenthèse parce qu'on avait fermé ça le matin. Je vais ouvrir ça encore et puis nous allons partir. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. 1 Samuel chapitre 16. Commençons par le verset premier. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Moi, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. » L'Éternel dit, tu émèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire et tu aideras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel l'avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore un petit, mais il fait paître les troupeaux. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'ils ne viennent ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Amen. Lis le verset 4, mon frère. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Amen. Amen. Vous savez, dans la vie de l'homme, d'un côté, nous avons des capacités et de l'autre côté, nous avons des faiblesses. Mais il ne faut pas dire, voilà les mots que je cherche jusque-là dans l'église, c'est la faiblesse. Parce que quand on parle de faiblesse, chacun va dire en tout cas, c'est vrai, l'homme est faible. Ce n'est pas de ce côté que je vais parler ce matin. Il faut m'épargner. Si tu viens aller en enfer, il ne faut pas aller avec moi. Alléluia. Il ne faut pas aller avec mon nom. Sinon, ça va compliquer ma tâche. Alors, dans l'ancien temps, je disais que l'homme a deux côtés, des capacités et des faiblesses. Pour les faiblesses, nous pouvons parler d'handicap. Des choses qui ne permettent pas à l'homme d'avancer comme il faut. Mais la Bible déclare, l'homme de Dieu était arrivé dans la ville. À l'entrée seulement de la ville, au verset 4, les anciens de la ville sont allés vers l'homme de Dieu. Ils ont posé la question à l'homme de Dieu. Mais ton arrivée annonce des bonnes choses ou des mauvaises choses? Ton arrivée annonce la guerre ou le pillage? Parce que quelque chose ne pouvait pas se passer. L'homme de Dieu devait savoir tout ce qui se passe dans les pays. Dans ces temps, c'est comme si nos pays étaient gouvernés, pas nos pays, oh, je parle de nos pays, excusez-moi. C'est comme si Israël était gouverné en ce moment-là, malgré la présence du roi. Mais le tout se faisait d'abord dans les spirituels, chez l'homme de Dieu. Et quand il se déplaçait, en commençant par les rois, son gouvernement, tout le monde doit trembler devant l'homme de Dieu. À cette époque, ce n'est pas comme à mon époque. Quand je toque à ta porte seulement, tu dis à l'enfant, il faut aller voir qui est à la porte. On dit, c'est l'homme de Dieu. Ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il vient faire à midi? Nous, on va manger tout ça. Donc, on n'a plus de considération. On nous compare aux boules de foufou, tout ça. Parce que nous avons dépassé les bornes. Alléluia. Quand on va venir, nous allons prier. Après la prière, est-ce que tu ne peux pas faire l'offrande? Qui t'a dit que l'offrande, c'est juste dans la maison? Et voilà, on n'a plus de considération. Mais à cette époque, non, le prophète arrive. C'est un silence de cimetière dans la ville. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va sortir de sa bouche. Les gens savaient que ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, ça vient directement du trône. Ce ne sont pas des choses calculées, préfabriquées dans nos chambres. Aujourd'hui, je vais aller les bombarder. Ils vont voir. Ils vont voir quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore vu avec le Seigneur? Alléluia. Et voilà, Dieu avait dit à l'homme de Dieu, va dans cette ville. Tu vas pour oindre un autre roi. Parce que celui qui vit là, c'est un épave. Il est devenu épave. Donc, il n'a plus de place. Je le considère plus, c'est fini pour lui. Même s'il règne encore, il est là
pour un moment. Il doit partir. Mais ce roi que tu as choisi va venir de quelle famille? La famille d'Isaïe. Il dit, d'accord, je m'en vais. Mais tu sais que cet homme peut me tuer, cet homme de Saül peut me tuer. Il dit, je le sais très bien, mais voilà ce que tu vas dire. Quand tu vas dire ça, donc il ne va rien comprendre, le tout va se passer dans le calme. Il est parti. Quand il est arrivé, il a dit à Isaïe, viens, aligne ici tes 7 enfants, tes enfants plutôt. Et Samuel avait vu devant lui 7 garçons, des beaux, des géants, des grands. Alors Eliab se frottait les mains. Il se disait, mais qui est l'aîné ici? C'est pas moi. Est-ce que vous pensez que ça peut tomber sur mon petit frère? Non, ça c'est de l'anarchie. Ça doit commencer par moi. Si moi je commence en tant que roi, si je n'ai pas eu des enfants, c'est mon petit frère qui va me remplacer. Ce n'est pas un problème. C'est un cadeau de la famille. Et voilà, Eliab était là. Il dansait déjà dans son esprit. Est-ce que vous comprenez? Il était tellement content. Il avait déjà débloqué un montant dans sa banque. Hein? Avant les élections, il a débloqué un montant pour fêter la victoire déjà. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le roi regarde Eliab et dit, toi, Dieu ne t'a pas choisi. Je te dis, Eliab s'est plié. Et puis il est parti doucement jusque dans sa tanière. Et Chaman disait que, en tout cas, comme il a raté, ça peut aller encore où? Les 3 grands sont passés. Pour les 4 autres, les prophètes n'ont même pas cité les noms. C'est que ça ne va pas. Les prophètes étaient dans la confusion. Et dans sa confusion, il se disait, est-ce que je n'ai pas bien entendu les instructions de mon Dieu? Mais je ne pouvais pas venir si Dieu n'a pas parlé. Si je suis là, c'est que j'ai entendu sa voix. Non! Ça, ce n'est plus Dieu. Ce n'est pas Dieu en ce moment-là. Lui-même, il prend la parole. Il dit, Isaïe, tu veux me dire que tu n'as pas d'autres enfants? Quel est le verset que j'aime, mon frère, pour que tu nous lises ça? Lis le verset 11 et 12. Alléluia. Lisons les versets 11 et 12. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore un petit, mais il fait paître les troupeaux. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'ils ne viennent ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Vous savez, quand quelqu'un te parle, vous êtes en affaire, quelqu'un veut te pousser un peu en avant, tu es parti avec ton problème, et le problème vraiment a saisi son esprit. Mais au lieu que la personne te dise que ce n'est pas possible, mais il va commencer à te faire des discours, à dormir. Tu rêves déjà dans les discours. Tu te vois déjà dans des Mercedes. Tu te vois déjà dans, je ne sais dans quel hôtel, parce que tu dois aller en affaires. C'est-à-dire qu'il va parler de 6h jusqu'à midi, des bonnes choses. Je vous dis, quelque part, si la personne prononce un mot, s'il dit seulement « mais », c'est que c'est foutu tout ce qu'il a dit depuis 6h du matin. Si la personne ajoute un « mais », vous êtes en conversation. Il commence à te nourrir d'espoir. Tu commences à monter. Tu avais faim, la faim disparaît. Tu te voyais pauvre, la pauvreté disparaît. Vous continuez. Tu te voyais dans les bicoques à côté de l'eau ici, mais tu commences à voir une maison à côté des Champs-Élysées. Tu dis, oui, ça va. Mais s'il ajoute un mais, aïe. Isaïe dit, prophète, c'est vrai, mais celui-là, bon, c'est un enfant, mais il vit dans la forêt. S'il vient ici, il va parfumer cet endroit et chacun va saisir son nez. Parce qu'il vit derrière les animaux.
Est-ce que vous comprenez? Je pense que c'est un enfant, comme on dit souvent, indésirable. Hein? On n'a pas désiré, mais bon, il faut qu'il reste là. Même si on les bouffe, si les bêtes les bouffent, d'ailleurs, c'est une bouche de moins. Est-ce que vous comprenez? C'est une bouche de moins dans la famille. Parce que ça ne va pas. Si vous regardez bien dans la Bible, à cet endroit, chaque fois, cet homme de David avait des problèmes avec des animaux féroces. La Bible ne signale pas que non, il y a son frère Eliab ou son frère qui était venu le secourir. Il faisait tout lui-même. Ce qui revient à dire que lui, c'était un sacrifié. On l'avait déjà sacrifié. Un bon à rien. Il vivait seulement dans la forêt. Mais ce jeune homme qui vivait dans la forêt, il ne s'occupait pas des choses qui se passaient en ville. Et je pense que la guitare qu'il avait, il avait fabriqué ça lui-même. Il avait ses rythmes à lui dans la forêt. Quand il dansait, c'est les bêtes qui regardaient, ce n'étaient pas des animaux, ce n'étaient pas des hommes. Mais les bêtes regardaient quand il dansait. Parce qu'il était derrière les bêtes. Mais quand il y avait un problème, un jour, au palais, les gens avaient compris que le problème qui troublait la vie du roi ne demandait pas de médicaments ni de médecins. Mais ça demandait un joueur qui savait gratter la guitare. Normalement, dans des cas comme ça, on doit aller où? En ville. Pour chercher des vrais guitaristes qui sont allés à l'école. Mais cet homme de David n'a jamais été à l'école à cette époque. Il était derrière le bœuf, c'était son travail depuis la naissance. Je pense qu'il était né dans la ferme. Mais ce n'est pas comme ça. Ok, ce n'est pas notre affaire. Vous voyez qu'il jouait là-bas. Mais qui avait dit, qui l'avait vu là-bas dans la forêt jouer sa guitare? Alléluia. Quelles que soient tes incapacités, tes faiblesses, Dieu te connaît très bien. Il sait où tu vis, il te connaît très bien. Même si le monde ne te connaît pas. Vous savez, le cas de David, c'est trop frappant. Parce que David, ce n'était pas un voisin. Mais c'est son père qui l'avait oublié même dans sa pensée. L'événement de cette taille. Mais cet homme devait aligner tous ses enfants. Mais pourquoi il avait laissé dans la forêt avec les bêtes? C'est-à-dire, c'était un vaurien pour cet homme. Il avait même balayé dans sa pensée. Il ne pouvait pas se faire des soucis. Ce n'était pas son affaire. Mais cet homme était resté dans la forêt. Alléluia. Quand l'homme de Dieu avait vu Eliab, intérieurement, il se disait, c'est lui. Il était élancé, beau, grand, tout. Il était complet. Qui vous a dit que Dieu a besoin de la masse? Parce que tu as des muscles, tu deviens quelque chose. Des muscles là, peut-être c'est les vents qui passent, mais dedans il n'y a rien. Alléluia. Les vents aussi vont grossir. Hein? Si tu as respiré quelque chose de mauvais là, ça peut te faire grossir la main, tu penses que tu deviens gros, mais c'est les vents. Dieu ne regarde pas tout ça. Vous savez, l'homme s'inquiète. Les gens ne veulent pas reconnaître mon ministère. Écoute, que les gens reconnaissent ton ministère, oui ou non, si Dieu dit, je mets un accent sur ton ministère, personne ne viendra t'enfermer pour que ce ministère ne fasse pas son travail. Ce ministère va crier. Amen. Comme c'était le cas de David dans la forêt, sa guitare, je pense, qu'avait résonné, les gens qui vivaient en ville comprenait que non, il y a quelqu'un qui sait jouer, mais il vit dans la forêt. Et quand il joue, les démons s'en vont. Alléluia. Une salle de l'église ne peut pas chasser un démon. Quelle que soit la beauté de cette salle, toi tu te regardes, tu dis, mais moi, quand je vivais encore, est-ce que je pouvais entrer dans telles églises où il y a la chaleur partout? Alléluia. Dieu avait vu David dans la forêt, dans la ferme. Et Dieu n'avait pas parlé pendant que les sept enfants défilaient.
Mais quand cet homme de David a mis son pied là où il y avait la réunion, Dieu avait parlé. Alléluia. Il a dit, c'est lui. En ce moment-là, si Dieu te pointe, même si tu sens mauvais, qui va dire non? Personne. Personne. Oui, chez nous ici, c'est l'injustice. Parce que c'est l'enfant de ma soeur. Elle doit faire ça. Dans mon bureau. Parce que c'est mon petit frère. C'est mon demi-frère. Il va faire ça. On peut trouver une porte. Ici en France. Ton patron te dit, je veux quelqu'un pour travailler ici. C'est là que tu commences à avoir des visions. Comment tu vas faire pour transformer ton petit frère en goulou pour qu'il vienne rapidement prendre le poste. Est-ce qu'ici, il n'y a pas un frère qui peut jouer ce rôle? Alléluia. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Mais je vais vous parler de faiblesse et de capacité de l'homme. Nous allons dans la Bible, tournons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 19, 1 jusqu'à verset 12. Lisons Luc, chapitre 19, 1 à 12. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le verset 3, la Bible dit, « Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. » Pourquoi la Bible va souligner la taille de cet homme? Pourquoi la Bible va parler de la taille de cet homme au lieu de parler de ses études? C'est qu'il y a un problème dedans. Vous savez, l'homme est tellement complexé. Je ne sais pas. L'homme est complexé. Voilà la nature de l'homme. La faiblesse de cet homme des Zachée, c'est quoi? Il est allé loin aux études. Ce n'est pas pour rien qu'on lui avait donné... confier les postes de collecteur d'impôts. Il était le patron dans le bureau des taxes. C'est lui qui commandait. En plus, il était publicain. Cet homme, malgré qu'il était intelligent, mais il y avait quelque chose qui troublait la vie de cet homme, c'est sa taille. L'argent ne peut pas nous aider. Nous défigurer, devenir blanche ou blanc, c'est possible. Mais nous ajouter quelques mètres, c'est difficile. Mais cet homme, malgré ses moyens, regardez ce que cet homme cherchait pour combler ce trou. C'est complexe. Il s'habillait toujours avec goût. C'est-à-dire, vous regardez sa veste, vous dites que mais ça vient de quelle maison? C'est l'ensemble de 10 maisons pour coudre sa veste. Mais malgré ça, quand
quand il y passait, son titre de bout d'homme ne quittait pas les lèvres. Quand il passait, les gens pointaient du doigt. Les gens disaient, mais cet homme, vraiment, il est court. Il est de petite taille. Et quand la femme entendait ces choses dans ses oreilles, malgré qu'elle aimait les types, mais d'un côté, elle aimait cet homme doublement. À cause de sa poche. Ça, c'est un. D'ailleurs, pour la beauté, il n'y avait pas de place dans son cœur. C'est pourquoi souvent, nos sœurs épousent, au lieu d'épouser les hommes, ils épousent les poches. Vous comprenez? Les jours où ton argent va finir, c'est les jours où ta femme saura que ta tête était grosse. Mais maintenant, présentement, elle voit l'argent. Elle ne voit pas de défauts. Vous comprenez? Je pense que vous vous souvenez de la femme de comment on appelle, Job. Qu'est-ce qu'il avait proposé comme solution? Maudit Dieu. Pourquoi tu ne dis pas, maudissons Dieu et puis mourons? Parce que vous êtes à deux, vous avez signé devant les hommes, pour les pires et pour les... Si c'est pour aller en enfer, il faut aller vous tous. Il dit, toi, signe, dites à Dieu, je t'ai maudit, puis il va te prendre rapidement. Nous connaissons ces choses, mais ce n'est pas notre problème ce matin. Cet homme de Zachée, il connaissait bien ses faiblesses. Il savait qu'il était court ou de petite taille. Les gens parlaient. Les gens, ça racontait. Les gens racontaient, parlaient. Cet homme est court. Malgré ses moyens, il ne pouvait pas combler ce vide. Je vais te dire ce matin, que tu sois court, que tu sois élancé, grand, notre Dieu, c'est un Dieu de variété. Amen. Mais c'est pour son plaisir. La Bible dit que c'est pour son plaisir qu'il t'a créé. S'il veut que tu sois court, où est le problème de ton voisin? S'il veut que tu sois noir, où est le problème de ton voisin? Alléluia. Mais non, on est complexé partout. Bien-aimé, si Dieu t'a donné une bouche large, peut-être c'est pour bien manger. S'il t'a donné une grosse tête comme la mienne, ne t'en fais pas. Dis gloire à Dieu. Alléluia. Parce que comment est-ce que tu vas corriger Dieu? Alléluia. Au lieu de bénir Dieu, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues au monde à la même ministre directement au cimetière. Mais toi, tu es vivant. Mais il faut être ingrat pour ne pas reconnaître ce que Dieu est en train de faire pour tout un chacun ici. Et c'est parce que quelqu'un m'a insulté, il a dit que ma tête est grosse, que je vais m'énerver maintenant contre Dieu. Vous allez faire des diètes, comment on appelle ça? Régime, vous allez faire des régimes, hein? Non, je dois perdre quelques kilos, je dois tout faire. Tous les jours dans les salles de gymnastique, nous avons besoin d'argent ici. Ouais, c'est pour la bonne santé, c'est pas pour la bonne santé, la personne veut diminuer de poids. Dieu sait que tu m'as fait là, c'est pas ça. Toi, mais tu vois pas. Mon pantalon, c'est gros comme ça. Et je vais paraître. Ces choses, souvent, c'est pour paraître. Mais je te dis, bien-aimé, quand Dieu t'a créé mince, il sait pourquoi. Quand il t'a créé gros, il sait pourquoi. S'il t'a donné un nœud pointu, il sait pourquoi. Pourquoi tu veux couper ça?
Tu penses que si tu coupes ses nez, tu vas vivre éternellement sur la terre? Reste tranquille, tu te fatigues pour rien. Tu peux faire appel au cancer pour rien. Dieu t'a créé. Il t'a envoyé femme. Tu dis non. Moi, je ne veux pas rester femme. Tu vas voir un garçon. Mais tu vas où? C'est la confusion. C'est la confusion. Oh, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire pour manger, mais ça, c'est un autre moyen. Quel moyen? Cet homme avait ses faiblesses. Et dans ses faiblesses, il était court. Et il y avait un problème dans la cité. C'est là qu'on a parlé de cet homme. Parce que Jésus de Nazareth devait passer dans la ville. Je ne sais pas si c'était pour la première fois, mais Jésus devait passer par là. Et tout le monde devait tout faire pour voir qui était cet homme de Jésus. Quand la nouvelle était arrivée dans la ville, je pense que cet homme de Zachée était dans son bureau. Il se frottait les mains comme d'habitude. À côté de la climatisation, il était là tranquille, mais ses travailleurs étaient sur le terrain. Il avait dit, allez au port, il faut amener l'argent ici des impôts. Quand l'argent va rentrer, l'État a 3%, lui il a 97% dans sa poche. C'est ce qu'il faisait tous les jours, je vais vous prouver ça. Alors la Bible dit, bien-aimé, pas la Bible mais moi, je pense qu'il avait envoyé ses serviteurs. Il dit, il y a des problèmes dans la ville. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Celui-là doit être un grand commerçant. Parce que comme la ville accourt vers cet homme, c'est qu'il doit être un grand commerçant. Il a mené des marchandises. Il y a des douaniers là-bas. Il faut vite partir. Quand les serviteurs sont arrivés, bien-aimés, ils ont trouvé que ce n'était plus question de marchandises, ni de dédouanement, mais c'est une question de vie. De mort ou de vie. Rater ou prendre. Et ils avaient compris que, aujourd'hui là, si on nous chasse du travail, je préfère qu'on me chasse du travail, mais moi je vais suivre cet homme quand même. Mais cet homme devant qui? Les marchés ont fermé. Ils ont dit au badaud, venez ramasser pour aujourd'hui ce jour de pillage organisé et institué. C'est pour l'État, venez prendre. Mais celui qui passe, il est plus que ma marchandise. Je vais aller derrière lui. Tout le monde, les bureaux fermés, les marchés fermés, les bistrots fermés, tout le monde à la danse sur la route. Parce qu'il y a quelqu'un qui était arrivé. De grande valeur. Mais qu'est-ce qui va se passer? J'achète dans son bureau, en train de se frotter les mains, en train de se frotter les mains. Mais mes serviteurs vont revenir à quel moment? Mes serviteurs vont venir à quel moment avec l'argent? Il dit non, je pense que le type les a aveuglés. Le type a donné le pot de vin. Moi-même, je vais aller pour vérifier sur place. Zachée est parti. Allô? Alléluia. Je dis, c'est un verset que nous lisons tous les jours. Mais ce que nous allons ramasser dedans ce matin-là, ça pèse trop. Zachée est allé sur place. Quand il est arrivé là-bas, c'est un stratège. Il a pris son temps pour observer ce qui s'est passé. Bien comprendre pourquoi cet attroupement. Parce que ce n'était plus au port, ce n'était plus à l'aéroport, mais c'était sur la route. Et il a pris tout son temps. Après méditation, après question-réponse, il a vite compris que non, cet homme n'avait pas amené des marchandises. Mais il avait amené plus que la marchandise. Parce qu'il a amené ma vie. Que cet homme a amené ma vie. C'est-à-dire, il était un mort vivant. Mais cet homme avait la vie de Zachée dans sa main. Il avait oublié son bureau. Et à distance, il avait fermé son bureau. Je ne sais pas s'il était à 2 km, mais à distance, il avait quand même eu le temps de fermer son bureau. Ce qui revient à dire, ouvert ou pas ouvert, je vais suivre cet homme. Si on casse le bureau, si on m'enlève du travail, j'ai la vie ici. Ce sont les bonnes affaires. Alléluia. Alors, Zachée est resté. Mais je vous disais que l'homme a ses incapacités, ses handicaps.
Mais Zachée, malgré qu'il était derrière cet homme de Jésus, il ne pouvait pas le voir. Et c'est parce qu'il n'était pas un homme, mais parce qu'il était de petite taille. Il ne pouvait pas le voir à cause de sa taille. La taille pour cet homme de Zachée, c'était un handicap grave pour sa vie. Il n'avait pas que ça. Le deuxième point, il était collecteur d'impôts. Pour les Juifs, Zachée, c'était un escroc. Il craignait. Il se disait, ça c'est deux. De trois, il avait peur de la foule. Il se disait, si je me glisse dans la foule, s'il y a un mouvement, quand les gens vont commencer à fuir, je vais tomber les premiers à cause de ma taille. Et les gens vont me piétiner et facilement, je vais aller directement en enfer. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que je dois voir Jésus. Mais c'est un homme de stratégie parce qu'il était habitué à faire ces choses. L'organisation, c'est parfait. Mais son organisation, c'était pour voler. Quand vous voyez telle marque de voiture, voilà ce que vous allez taxer. Mais nous savons que l'État a dit, limite c'est 50%, mais vous mettez 55%. Les 5 là, c'est pour nous. Il avait toutes ces stratégies dans sa tête. L'organisation était remplie dans sa tête. Mais devant ces handicaps, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Parce que s'il cherchait à se faufiler à côté, même à côté, il n'y avait pas de place. Au milieu, n'en parlons même pas. Il n'y avait pas de place. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que son seul problème pour ce moment, c'était de voir Jésus. C'était même pas de parler avec Jésus. C'était pas de toucher Jésus. C'était seulement voir qui était cet homme de Jésus. Cet homme de Zachée, après méditation, il dit, il a essayé un peu de regarder du côté capacité. Quand il a vérifié du côté capacité, c'est là qu'il a vite compris. Il avait identifié quelque chose. Il avait compris qu'à l'enfance, il courait très fort. Il était rapide. Il dit, c'est ce que je vais faire. Amen. Au début, tu as dit, bon appétit à ton frère, n'est-ce pas? Dis-lui maintenant, je ne te vois pas, je suis seul devant Dieu maintenant. Il faut lui dire, dis à ton voisin. Est-ce que vous comprenez? La partie où nous arrivons, nous sommes arrivés. Quand vous montez dans l'avion, l'hôtesse dit, il faut garder vos ceintures. Quelque part, elle change. Il dit, nous sommes arrivés à la vitesse de croisière. Enlevez vos ceintures. Ne regarde pas ta ceinture, ni celui qui est à côté de toi. C'est là que ça commence. Zachée a pris position. Les gens se disaient, mais pourquoi cet homme n'avance pas? Lui, il était toujours derrière. C'est comme s'il accompagnait la foule. Il était toujours derrière. Il marchait à petits pas. Or, il était en train de faire. Il avait des formes terribles. Quand ça tombe sur la main d'un savant, vraiment, je vous dis, c'est de l'argent qui sort. Cet homme de Zachée a dit, ah, quand j'étais enfant, je faisais la vitesse. Il a essayé un peu ses pieds. Est-ce que la vitesse est encore là? Les pieds lui disent, oui, je peux faire ça. Il dit, bon, voilà, vous allez voir. L'homme a commencé d'abord par enlever la chaussure. Frère, tu peux bien courir avec ça? Là, tu vois? C'est la première des choses. Il a regardé sa chaussure. Dans son imagination, il se disait, ma chaussure et cette personne de Jésus, c'est qui je dois privilégier? Il avait compris que c'est Jésus. La chaussure, mets-toi de côté. Il a laissé. Il regarde sa veste. Il dit, c'est bien. C'est cousu, c'est 10 maisons ensemble, ils ont cousu ma veste. D'accord, mes vestes, comprendre. Ici, c'est la vie ou la mort. Je ne peux pas rater la vie à cause de toi. Parce qu'avec toi, je ne saurais pas courir. Alléluia. Il a enlevé sa veste. Il a regardé la foule. Il dit, foule, regardez-moi, vous allez voir ce que je vais faire. Cet homme a pris position. Il a pris position. Je vous dis, il a pris son temps, il a pris position. Et quand il a démarré,
Les gens qui étaient à côté avaient oublié de regarder les maîtres. Ils regardaient comment cet homme courait. Les gens se disaient, mais est-ce que Jésus a demandé qu'on fasse la course ou bien quoi? Non, il fait la course. Il sait pourquoi il est en train de faire la course. Regardez la direction. Jésus allait comme ça. Vous savez, à ce moment-là, les routes n'étaient pas bitumées. Bon, c'était des routes en terre. Il se disait, comme il a pris cette direction, je pense que il n'y a pas d'autre grand chemin comme cette voie. C'est qu'il va rester sur la voie. Mais si je continue derrière, je ne le verrai pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je force pour rentrer dans la foule, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, comme nous sommes au carrefour, maintenant, je vais aller comme ça. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il ne va pas en marchant, il va faire la course. Il va faire la vitesse. C'est là qu'il a changé de direction. Jésus s'en va ici, lui prend la vitesse de ses côtés. Il court jusqu'à un carrefour, très loin. Il dit, bon, maintenant, comme je suis arrivé à cette position, si je fais ça, c'est qu'on est en parallèle. Il a pris encore la vitesse ici. Il est parti. Je pense 3, 4, 5 carrefours. Avant de faire la vitesse, il avait calculé la vitesse que Jésus faisait dans ses pas quand il marchait. Il savait qu'avec cette vitesse, Jésus il est à 20. Moi, je fais 80. Quand je vais arriver là-bas, je vais doubler, je fais 100 à l'air. Quand je vais faire ça, je vais me présenter en face de lui. Alléluia. Il avait des stratégies impossibles. Et il est allé. Il est allé. Quand il s'est présenté devant, Jésus était encore plus loin. Il avait compris qu'il y avait encore un handicap. C'est toujours sa taille. Il se disait, si je reste ici, parce que quand un roi arrive, si vous n'êtes pas vraiment géant, vous n'allez pas le voir. Ce n'est pas qu'on va lui laisser devant vide. Il y aura toujours la population là-bas. Mais avec des gardes du corps qui font des bras comme ça. Il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Et il va rester au milieu. Comme il est court, il ne va pas le voir. Mais Zachée rentre encore en lui. Il dit ça, c'est une possibilité. Mais là où je suis arrivé, il faut que je fasse, que je puisse fuir encore à moi. Dans mes capacités. Est-ce que quand j'étais jeune, je ne montais pas sur les arbres? Il dit oui. Zachée va regarder à côté. Il a vu des fleurs. Il avait vu des bananiers. Il avait vu un sycomore. Il dit, si je monte sur un bananier, je vais tomber moi et le bananier par terre. Alors il faut chercher quelque chose de solide. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des ministères qui sont comme des bananiers. Tu montes, toi et le pasteur, par terre. Ça, c'est une parenthèse. Mais il faut chercher des ministères solides. Quand tu vas grimper, le pasteur sera en mesure de te prendre, de supporter ta poids, ton poids plutôt, et puis vous allez regarder en avant, vous tous. Mais si vous commencez à regarder en bas, c'est-à-dire où vous allez tomber, tu vas te casser. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il avait bien remarqué un sycomore. Zachée a laissé tout. Quand il déposait les choses par terre, il savait que quand il y a une autorité pareille, donc ce sont des badauds qui sont à l'honneur. Même les patrons des fois n'auront pas le temps de le voir parce que les badauds vont les bousculer. Et il savait que quand les badauds passent, ils ramassent tout dans leur passage. Il savait très bien qu'il ne va pas retrouver sa chaussure. Il savait très bien qu'il ne va pas retrouver sa chemise. Alléluia. Alléluia. Et il est monté. Quand il est arrivé là-bas, il y avait encore des feuilles qui l'empêchaient. Il était obligé de fabriquer une fenêtre sur l'arbre. Et il était là, il dit, ah, je vais le voir, je vais le voir. Moi, je vais te dire, frère, sœur, le problème de Jésus, le salut est individuel. Est-ce que vous savez ça? Oh non, mais vous savez, il faut qu'on me laisse le temps. Ils m'ont prêché l'évangile, d'accord. Mais je veux qu'on me laisse ne fût-ce qu'un mois. Pour vous, vous avez déjà fait 10 ans dans l'église, 5 ans dans l'église. Moi, je viens d'arriver dans l'église. Et puis vous me demandez d'abandonner tout du coup. Mais ce n'est pas à cause de l'église que tu abandonnes tout. Mais c'est à cause de Jésus. Parce que nous sommes là, nous ne savons pas à quel moment il va frapper à ta porte. Amen. Amen. Saül, Saul de Tarse, faisait des affaires comme toi.
J'ai dit, Saul de Tarse faisait des affaires comme toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Ses affaires étaient persécuter l'église, détruire les maisons de ceux-là qui priaient, qui étaient enfants de Dieu. C'était son affaire. Mais ton affaire, peut-être que ce n'est pas la même chose avec Saul de Tarse. Mais vous êtes dans la même famille. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le même diable. Mais quand le jour de sa conversion était arrivé, il avait fait combien de temps pour se convertir? 3 jours. Si les choses avaient pris 3 jours, c'est parce qu'il ne voyait pas. Le premier jour, le deuxième jour, c'est le troisième jour qu'il a vu. Quand il a vu, il dit, j'ai vu clair. Mais pourquoi nous nous faisons des programmes, des projets? Si je n'ai pas encore fini avec ce projet, je ne vois pas comment je vais marcher correctement avec le Seigneur. Mais il y a un serviteur qui avait dit un jour, le calendrier de Dieu est fantaisiste. Pourquoi il avait dit ça? Parce que la mort devait ramasser d'abord celle ou celui qui a 130 ans pour venir jusqu'à 1 an. Mais nous voyons, il y a des gens, après avoir eu son diplôme à Sorbonne, et il va pour fêter, la même nuit un accident, la personne va l'enterrer le matin. Qui connaît le calendrier de Dieu? Est-ce que c'est parce que tu es en bonne santé? Est-ce que c'est parce que tu as mangé le matin? Non, Jésus revient très bientôt. Je sais que tu vas me dire que non. Depuis qu'il avait promis bientôt, ça fait 2000 ans. J'ai dit, c'est sa patience à cause de toi. Pour que tu arranges ta vie devant lui. Quand c'était arrivé le tour de cet homme de Zachée, il s'en foutait parce qu'il savait que les agents qui travaillaient dans son bureau étaient là. Les agents l'ont vu courir. Surtout sa secrétaire a vu comment son patron court. Il se disait, c'est pourquoi je vous ai dit de dire à ton voisin, qu'ici, il n'y a personne d'autre. Parce que, ici où nous sommes, il y a des gens qui vivent selon les voisins. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si je me comporte comme ça, il va parler. Si je fais ça, il va dire. Le monde ne va pas s'arrêter de dire des choses. Je te dis vrai. Tu peux me donner 5000 euros ce matin. Demain, je viens, tu doubles ça, tu me donnes 10. Après demain, je viens, tu me donnes 20. Demain, je viens. Si tu ne me donnes pas, je vais venir te critiquer. Je te dis la vérité, je vais te critiquer. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il est arrivé? C'est quoi ça? Pourquoi il m'a déplacé? Mais quand il t'a donné avant, qu'est-ce que tu disais? Le monde ne va pas se fatiguer de te critiquer, de dire que tu es mince, de dire que tu es vilain. Alléluia. J'ai dit le matin ici que je suis en train de chercher des grosses personnes, pas en argent, des gros messieurs ou des femmes. Ici en France, je n'ai pas encore vu, ça fait 2 semaines. Je n'ai pas encore vu. Mais dans mon coin où je vis, il y a des gens, quand la personne est assise comme ça, son ventre quitte ici, ça touche les genoux. Je vous dis la vérité. Mon neveu, à 6 ans, il a dit à sa mère lui dit, viens manger, il dit, je ne veux pas. Pour que cet enfant mange avec sa petite soeur, c'est la guerre. Il dit, je ne mange pas. Et la maman avait eu le courage de dire, mais pourquoi vous ne mangez pas? Il dit, vous voulez que nous, on devienne gros comme les messieurs que nous avons mis dans les bus? Ne cherche pas les problèmes où il n'y a pas. Si ton voisin te critique, dit que tu es gros, dis gloire à Dieu. Parce que la Bible dit, si tu parles mal à un infirme, à un aveugle, c'est Dieu que tu es en train d'insulter. Il sait pourquoi. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Ta taille a fait quoi? Ta maison a fait quoi? Ma maison n'est pas jolie. Je n'ai pas ceci. Autant marqué par Dieu, ça va venir. Cet homme de Zachée n'avait pas regardé ses voisins. Il dit, je sais que mes enfants sont dans la foule.
S'ils me voient courir, je cours parce que je suis en train de faire de bonnes affaires. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'avec Jésus, vous avez tout, même hélicoptère, même paquebot, vous avez tout. Voilà, ce sont des bonnes affaires. Essaye, tu vas me donner raison. Les bonnes affaires, c'est quand on accepte Jésus dans sa vie. Pas Jésus à moitié. Ou non, comme les gens se moquent de moi, disent, mais je suis vraiment noir comme la braise, je vais devenir Mike Jackson. Tu ne sais pas que le cancer est à côté? Hein? Et quand le cancer va te visiter, tu vas dire, c'est mon oncle, comme je n'ai pas envoyé le Western Union, c'est lui. C'est vrai, vous savez, nous sommes là comme des greniers. C'est-à-dire, nous sommes les greniers pour l'Afrique. Hein? Mais ils n'ont même pas pitié de nous. Un jour, j'avais envoyé 50 à mon petit frère. Il me dit, mais c'est peu. Est-ce qu'il sait ce que j'ai fait pour avoir 50? Ils ne seront pas rassasiés. Ils vont réclamer toujours. Les gens ne vont pas s'arrêter de t'insulter, même dans l'église. Est-ce qu'il a arrêté avec sa prostitution? Et est-ce qu'il a arrêté avec son vol? N'est-ce pas qu'il est toujours sorcier? Vous pensez que Dieu est incapable de délivrer quelqu'un? Alléluia. Dieu n'est pas incapable. Il est capable. Il dit, quand il commence, il achève. Zachée était là. Vous devez savoir, bien-aimé, que chaque fois, si vous invitez quelqu'un, le matin je disais ceci, si Amour et Vérité me dit, tu ne vas pas prêcher telle part, reste ici. Là où Amour et Vérité va m'envoyer, même s'il y a 3 personnes, alléluia, je vais prêcher là-bas. Parce que c'est Amour et Vérité qui m'a invité ici. Vous comprenez? Ce qui revient à dire que Jésus était dans la ville, c'est il y avait un groupe de personnes qu'il avait invitées. Et s'il doit suivre l'itinéraire, c'est l'itinéraire de qui il va suivre? Malgré qu'il est Dieu. L'itinéraire des gens qui l'ont invité. Amen. Même s'ils ne l'ont pas invité, les gens qui connaissent mieux la ville. Ceux qui l'avaient invité, ils se promenaient, puisque j'ai dit, Jésus est ventre devant eux. Parce que c'est eux qui sont à l'honneur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus avançait, il avançait, il avançait, arrivé en dessous d'un arbre. Alléluia. Quelque chose s'est passé dans son intérieur. Quelque chose a commencé à bouger dans son intérieur. Il dit, il faut que je m'arrête pendant un moment. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui m'invite. Il y a quelqu'un qui veut me voir. Il y a quelqu'un qui veut me toucher. Il y a quelqu'un qui veut me parler. Jésus s'est arrêté brutalement. Les organisateurs ne savaient rien. Écoutez ce que Jésus va faire. Jésus dit, ma course doit se limiter ici. Zachée descend. Zachée de trembler. Il allait tomber, hein? Heureusement que Jésus était en bas. Il dit, je pensais que c'était seulement des juifs qui me connaissaient en tant qu'escroc. Mais celui-là, il vient d'arriver dans la ville. D'ailleurs, je ne suis pas habillé comme d'habitude. On pourrait me confondre au bardeau. Mais qui lui a dit, qui lui a donné mon nom? Quelle que soit ta taille, amen. Jésus te connaît. Quel que soit ton titre, pauvre ou riche, Jésus te connaît. Amen. Jésus connaît ton numéro de cellulaire, de ton cellulaire. Il peut t'appeler sur ton cellulaire. Et puis vous pouvez causer avec lui correctement dans le cellulaire. Tu vois? Il te connaît très bien. Il te connaît très bien. Ces jours-là, il avait surpris cet homme de Zachée. Zachée de dire, mais où cet homme m'a connu? Mais je ne le connais pas. Moi, je cherchais seulement à le voir. Mais écoutez ma question. Ça va troubler plus d'une personne. Est-ce que Jésus, quand il se promenait, il ne voyait pas
le diacre Harry qui était à côté de lui. Il n'avait pas vu les modérateurs. Il n'avait pas vu l'organisateur. Il n'avait pas vu les badauds. Il a vu tout ce monde. Mais pourquoi il ne s'arrêtait pas pour parler à quelqu'un? Pourquoi le prophète n'a pas dit que c'est Eliab? Pourquoi le prophète n'avait pas dit que c'était son frère? Dieu a parlé quand il avait vu David. Dieu s'est arrêté et il a parlé quand il a vu Zaché. Dieu veut te parler. C'est pourquoi j'ai dit, ne regarde pas ton voisin. Imagine que dans la salle, tu te retrouves seul avec la parole, pas même avec le prédicateur. Jésus veut te parler. Vous savez ce qui attire Jésus? C'est quoi qui attire Jésus dans nos vies? Amen. Le désir qui est dans l'homme. Le désir qui est là dans l'homme. Si c'est propre devant Dieu, que tu sois seul dans ta chambre, la bénédiction va te suivre là. Les autres qui suivaient Jésus n'avaient pas de but dans leur tête. Leur but était tout simplement de se promener à côté du maître. Voilà Pierre, malgré qu'il était avec Jésus, malgré qu'il entendait quand Jésus dormait, ronflait. Mais Pierre n'était pas converti. Est-ce que vous croyez? La Bible dit que Pierre est juste qu'il était païen. Il n'était pas converti. Pas païen, mais il n'était pas converti. Parce que Jésus avait dit, le diable est venu te cribler comme le froment, mais j'ai pris ta défense. Quand tu seras converti, c'est que Pierre, malgré les miracles, n'était pas converti. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ton problème ce matin, tu es face à Dieu. Même si on t'a invité pour la première fois, c'est une grâce pour toi. Zaché aussi était dans la foule pour la première fois. Zaché a dit, bon, je vais descendre. Zaché n'avait pas demandé où étaient ses chaussures. Pieds nus. Il avait pris Jésus maintenant. C'est lui qui devenait maintenant. Alléluia. Le patron de ce défilé. C'est lui qui était devenu le patron. Parce que tout le monde le regardait. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce Jésus? Est-ce que Jésus ne sait pas qu'il est païen? Jésus n'est pas venu pour les justes. Si toi tu es juste, Jésus est venu pour les pécheurs. Alléluia! Si tu me critiques, je suis pécheur. Si je suis encore dans le monde, ou je suis encore délité, je vais te dire, Jésus était venu pour moi. Zaché est sorti. Et c'est lui maintenant qui conduisait tout le monde. Silence! Et les gens disaient, mais Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il ne sait pas que cet homme, c'est un escroc. Mais Jésus, nous autres là, on s'était bien préparés avant que tu ne viennes. Parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas s'approcher, tu vas sentir l'odeur de mon péché. Mais celui-là, il n'a même pas eu le temps. D'ailleurs, il est venu pour chercher des taxes. Comme il a compris qu'il n'y avait pas à faire des taxes, pourquoi il est monté sur l'arbre? Tu vas où avec cet homme? Écoute-moi, je répète. Les gens ne vont pas s'arrêter de te critiquer. Que les critiques, les mépris n'arrêtent pas ta décision. Parce que, regardez bien dans la foule. Les critiques étaient là. Les menaces étaient là. Dans les cahiers de charges de cet homme de Zaché. Mais il n'avait pas considéré tout ça. Il avait piétiné la honte au pied. Il avait pris la tangente pour aller chercher un sycomore. Cet homme est monté. Jésus lui dit, descends. Il dit, d'accord, je vais descendre. Et quand il est descendu, il est parti. Celui qui était devant, non? Sa femme l'attendait à la maison comme d'habitude. Mon mari va venir à midi, on va manger ensemble. Elle a préparé la table. Mais curieusement, elle voit son mari venir pieds nus, torche nus. Dit, tu ne sais pas que ici dans ce quartier-là, si nous tenons encore, c'est parce que tu t'habilles bien, tu ne vois pas ta taille. Pourquoi tu viens comme ça? Les gens vont se donner des raisons, ils vont se dire, mais voilà, c'est ce qu'on disait. C'est, voilà, il est court.
Il y a des gens ici qui pensent que l'habit va les soutenir. Hein? L'habit va compenser. Quand il va se mettre dans ça, je suis à l'aise dans mon pays là-bas parce que là, je vois même des patrons qui vont au bureau en culotte. Je ne vous encourage pas, nous sommes des sapeurs, n'est-ce pas? C'est votre nom, il ne faut pas avoir peur de ça. N'est-ce pas? Je n'ai pas dit vrai. Vous aimez les habits. Ah oui. Mais je vous dis là-bas, ils s'en foutent. Je vois, je suis dans une église qui fait 3-5 000 personnes. Mais tu vas voir un responsable qui vient avec des vrais, comment on appelle ça, babouches, à l'église. Mais sors dehors. Vois la voiture qu'il a menée à l'église. Ce n'est pas des coyo-coyo que je vois ici. Les amis ivoiriens sont là, non? Ouais. Moi, je suis ivoirien, ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas des coyo-coyo. Mais tu regardes la voiture, toi-même, tu avales la salive. C'est-à-dire, même si tu pouvais jeter la salive, tu dis, hey, pardon. Va dans sa banque, ça respire. Dans ma ville, il n'y a pas de métro. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est celui-là que tu as vu avec des tapettes ou babouches dans l'église. Ils ont simplifié les choses. Nous, on se tue pour rien. On n'a rien. Nous sommes ici, mais on veut vivre ici. Ah! Quelqu'un dit, comme il a dit ça, je vais plus lui donner mon offrande. Je vais rentrer avec ça. Qui vous a dit que moi je suis venu chercher l'offrande? Alléluia. Bien-aimés, soyons tranquilles. Si nous avons des troubles dans nos maisons, écoute-moi, ce ne sont pas des démons. C'est parce que nous-mêmes, nous avons des trous dans la tête. Quand je dis des trous, c'est-à-dire nous voulons vivre au-delà. Pourquoi? Le seul vide que nous avons dans notre cœur, c'est Jésus. C'est lui qui doit remplir ce vide. Parce que s'il prend place dedans, tout va venir. Alléluia. Ne t'énerve pas. Ne dis pas, mais pourquoi tu m'as invité ici? C'est ton tour. Prends la place de Zachée ce matin. Dis, je vais donner 4. Mais qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Ici, vous avez même des pasteurs qui se poumonnent pour vous dire, vous montrer, vous donner des versets. Qui avait donné un verset biblique à Zachée? Qui avait donné un verset biblique au roi mage? Personne. Des magiciens. Ils ont fait une bonne offrande parce que c'était de l'or. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une parenthèse. Mais je vais continuer. Zachée dit, je vais donner 4. Dieu, Jésus lui dit, hey, tu vas donner 4. Je te donne salut gratuit. Alléluia. Salut gratuit. Tout ce que tu veux, restauration gratuit. Je t'amène au ciel gratuit. Ce n'est pas parce qu'il avait donné l'argent, mais ce qui avait attiré Jésus, c'est le but qui était dans la tête de cet homme. Les tout commence dans le spirituel. Dieu pénètre le spirituel. Il voit ce qui est dans le spirituel. Il vient au secours. Mais les autres étaient là comme des spectateurs. Les rôles, c'était de curieux. Mais celui avait. Zachée avait posé un acte. Mais je vous dis, les hommes et les femmes ne vont pas s'arrêter de dire n'importe quoi sur toi. Je vais vous raconter une histoire et puis on va terminer. Un jour, un papa devait faire un voyage avec son fils, mais il devait traverser 4 villages. Dans ce voyage, comme monture ou moyen de transport, il y avait un animal qu'on appelle ânesse. L'ânesse était là. Bon, quand ils sont arrivés à l'entrée du premier village, le père avait dit à son fils, « Bon, voyez, bon, toi, tu dois monter. » Nous allons monter, nous deux, sur l'animal. Parce que ce n'est pas normal qu'on se promène à pied au moment où l'animal est là. Quand ils sont arrivés au milieu du village, les gens du village ont dit, mais ces gens sont méchants. Comment ils peuvent maltraiter un animal comme ça?
Ils sont deux sur ce petit animal. Cette histoire n'a pas commencé, c'est pas arrêté, hein? Parce que dans mon coin où je vis, si un serpent rentre dans ta maison, si tu tues ce serpent, tu peux faire la prison. Tu dois appeler la police pour venir récupérer les serpents. Oh, quand quelqu'un passe à côté de toi, tu appelles la police, tu dis, il a touché mon sac et puis on le tue sur place, c'est un bandit. Mais qui est plus bandit entre l'homme et le serpent? Si un voleur rentre dans la maison, on peut même négocier avec lui, mais est-ce qu'on peut négocier avec un serpent? On va prendre le serpent pour renvoyer dans la forêt. C'est grave ce qui se passe. Les gens ont dit, mais pourquoi ces deux personnes maltraitent l'animal? Et les gens racontaient, parlaient. Les gens étaient fâchés. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, entre les deux villages, ils ont dit, je pense que nous avons compris ce que la population a dit. Cette fois, toi, mon fils, tu vas monter sur l'animal et moi, je vais marcher à côté de toi jusqu'à ce qu'on va traverser le village. Il dit, d'accord, papa. Et ils se promenaient au milieu du village. Les gens ont dit, vraiment, pourquoi cet enfant est impoli comme ça? Il laisse son père par terre. Lui, il a encore l'énergie. Au lieu de laisser son père sur l'animal, mais voilà l'enfant qui est content sur l'animal et son père en train de souffrir. Quand ils sont arrivés au milieu de l'autre village, disons de l'autre côté, le père a dit, mais tu as entendu ce que la population est en train de dire? Il dit, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ok, moi, je vais monter sur l'animal. Comme il reste deux villages, je vais monter sur l'animal et toi, tu vas marcher à pied. Quand ils sont arrivés au milieu du village, le village a dit, Yako, mais pourquoi? Pourquoi cet homme laisse son fils souffrir? Lui, il est sur l'animal et le fils marche. Mais il n'a pas pitié de son fils. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, le père a dit au fils, tu as compris ce que les gens sont en train de dire? Bon, nous allons faire ceci. L'animal va se promener au milieu de nous. Toi, tu restes à gauche, moi, je suis à droite, l'animal au milieu. On va traverser la ville. Quand ils sont arrivés au milieu du village, les gens ont dit, depuis que le monde est monde, s'il y a des insensés, c'est cette famille. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que tu veux toujours écouter ce que les gens sont en train de dire sur toi. Tu sais combien d'argent tu as perdu à cause de ça? Tu sais combien de choses tu as perdu à cause de ça? Parce qu'au lieu de méditer sur des bonnes choses, tu es en train de prendre ton temps, méditer sur des banalités, sur des futilités. Les gens ne vont pas s'arrêter de parler mal de toi, de critiquer ta taille, de te pointer du doigt. Toi, avance. Alléluia. Regarde tes projets. Assieds-toi devant tes projets. Calcule les pour et les contre. Et avance avec le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un va te dire, mais pourquoi tu vas dans Amour et Vérité? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Viens, on va aller chercher l'église des Blancs. Mais ici, tous les Blancs sont en train de fermer les portes des églises. On va aller prier où encore? Vous ne savez pas qu'à Londres, ils sont en train de vendre les églises? Hollande, ici, sont en train de vendre les églises? Vous n'êtes pas au courant? Je sais que les gens sont en train de réfectionner les églises ici pour rien, mais il n'y a pas de fidèles dedans. Tu vas aller prier avec les quatre murs ou bien quoi? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Pourquoi tu t'occupes de ce que ton voisin est en train de raconter? Et puis ça te ronge à tel point, tu commences à avoir des palpitations. Ton cœur bat. Il a parlé encore. S'il parle, ça va changer quoi dans ta vie? Même si tu fais ce qu'il va te demander, il t'a déjà donné la nourriture combien de fois? Mais pourquoi? Enfant de Dieu, écoute-moi ce matin. Oh non, pourquoi Dieu devait me créer gros comme ce frère-là?
mariée jolie comme elle est jolie. Mais pourquoi jolie se marie pas? Et ce qui étonne souvent, c'est ce que les gens déconsidèrent là. Mais la petite se donne bien dans l'église. Ce qui est à l'intérieur commence à attirer. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? J'ai dit, est-ce que vous comprenez ces choses? Vous êtes fâchés ou comment? Si on n'est pas fâchés, on va applaudir pour le Seigneur. Pasteur avait dit à son ami pasteur, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi parce que je suis tenté à tout moment? Il faut prier pour moi, faire une bonne prière. Et le pasteur, ce n'est pas n'importe quel pasteur qui devait prier. C'est Mamadou Karambiri, je pense qu'il y a quelques-uns qui le connaissent. Ça, c'est un pilier en Afrique. Et le pasteur lui a dit, ah, vous savez, si vous demandez au pasteur de prier, c'est là que vous allez voir, l'énergie va sortir. Le pasteur a pris position, il dit, mets-toi à genoux. Et surtout, je vais prier sur un serviteur de Dieu. Mets-toi à genoux. Il dit, Dieu, il faut enlever ce pasteur de la terre. C'est-à-dire, il faut qu'il meure. Je vous dis, lui-même, s'il passe ici un jour, il va vous dire ça. Il dit, je veux qu'il meure. Le pasteur dit, oh, 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 c'est pas ce que j'ai demandé. Le pasteur lui a dit, tant que tu vivras sur la terre, les tentations vont toujours rester et tu vas vivre ça. Mais les problèmes ne touchent pas. Est-ce que vous comprenez? Si ça te tente, n'avance pas. Change de direction. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on saura que mon Dieu est puissant? Si je ne peux pas résister contre... C'est là où on saura que je prie un Dieu. S'il n'y a pas un désert, mais comment vous allez faire pour arriver en Canaan? Il faut que le monde... Il y a beaucoup de personnes qui vont se convertir, pas avec ta prédication, mais ils vont se convertir à partir de ce que Dieu est en train de faire pour toi. Il va se dire, mais ce type ne me met pas bien habillé. Mais pourquoi il est toujours joyeux? Il faut que je l'approche. Qu'il me dise un peu son secret. Et quand il va comprendre que c'est Jésus qui donne la paix, il va comparer la petite paix qu'il trouve à cause des petits héros et la paix que Jésus communique, il dit, non, je suis parti. Je vais rester avec Jésus. Inclinons, nous allons prier. Bien-aimé, je vais te demander